Et vous êtes sur Radio Soupente, hein, c'est un scoop quand même. La station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du mardi 21, c'est le 21 21 mai 2019, qui va concerner maintenant cet artiste que nous avons visité à Bourg-en-Marlotte, dans son splendide atelier, dans sa cour magnifique avec un porche de château féodal, Anne Isabelle Roubaille. Voilà, alors Anne-Isabelle Roubaille, qu'on a pu rencontrer grâce, comme on disait tout à l'heure, à cette exposition sur les arbres dans la librairie L'Empreinte de Bourg-en-Marlotte, qui nous a rapidement contactés et qui a accepté donc de nous recevoir pour discuter, parler peinture, parler d'elle. Et voilà, donc on a pu profiter de son atelier pour une longue discussion à bâton rompu, une espèce une déambulation. L'esprit de notre rencontre, de notre discussion, de notre mise en route. Voilà, c'est assez surprenant d'ailleurs quand on arrive dans sa petite maison et dans son grand atelier très lumineux. Oui, c'était un prologue à notre rencontre qui était assez intéressant. Ouais, en fait, voilà, on a déjeuné au bijou bar, on aime bien le bijou bar, et après on est allé tranquillement vers son atelier pour la rencontrer. Voilà. Alors, je vais commencer par la lecture d'un poème de Charles Juliette. Charles Juliette, c'est un écrivain qui a beaucoup écrit sur les peintres. Et au fait, au fil de notre discussion, on a évoqué Charles Juliette, on a parlé de son bouquin sur Bram van Velde. Anne-Isabelle nous a dit qu'il y a un poème de Charles Juliette qu'elle aimait particulièrement. Donc, je vais le lire et après, on pourra enchaîner avec l'entretien qu'on a eu dans son atelier. Un jour, ma barque s'est détachée, s'est éloignée du port. Et sans que je m'en sois rendu compte, poussé par le vent, j'ai dérivé, longuement dérivé. À me découvrir seul, loin de mes semblables, j'étais dévoré d'angoisse. Mon unique désir était de revenir parmi eux, là où était ma place, d'autant que mon embarcation prenait l'eau. Ou bien était-ce moi qui déjà me fissurais, me délabrais? Je n'avais plus la force de ramer, de diriger ma barque. N'allais-je pas sombrer? Je ne me sentais pas de taille à affronter les tempêtes que j'aurais essuyées. Je me rebellais, voulais retrouver la quiétude de ma vie d'avant. Mais il ne m'était pas possible de maîtriser ma dérive et j'ai dû abandonner. À plusieurs reprises, ma frêle embarcation a chaviré. Tout ce qu'elle contenait, livres, savoirs, possessions diverses, tout est passé par le fond. Je ne pouvais intervenir, ne pouvais que me laisser emporter par cette navigation aveugle. Je suis parfois resté encalminé, mais le plus souvent, j'ai été pris dans d'âpres bourrasques. Un jour, mon esquif s'est disloqué, la force m'a été de lâcher prise, de consentir à disparaître. Alors des courants m'ont poussé, porté, puis déposé sur une plage. Une lumière d'aurore inondait l'oasis où j'allais maintenant vivre. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille, au creux des reins. Le mal. Fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le meurt. Soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin qui
qu'il est long quand on doit le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre qui. Sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive, d'un rire en coin, et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins. C'était le mal de vivre interprété par Barbara et maintenant on laisse toute la place à Anne-Isabelle. J'adore l'huile, en fait j'ai essayé toutes les techniques, j'ai tout testé et j'aime l'huile parce que l'huile, on dit que c'est la rose de la peinture. Moi quand j'ai commencé je disais la rose de la peinture quand même. Mais oui c'est vrai, la lumière et puis il y a une très grande diversité de travail. Vous pouvez aussi bien travailler en transparence qu'en pleine pâte. Une palette de sensations extraordinaire. Voilà. Et l'acrylique, non, vraiment, je. Éventuellement, un dessous pour. Éventuellement, mais non, vraiment. Là, il y a un pastel qui est là. Il y en a un autre là-bas, vous avez. Travaillez au pastel sec ou à l'huile ? J'ai testé les deux. Ouais. Là, pour faire ces travaux-là, ça c'est le loin, ça c'est le pont, vu du pont de Grès. Ça c'est un autre travail, ça c'était sur les origines. Donc, en fait il y a un personnage là qu'on aperçoit ici. Et pourquoi origine? Pourquoi origine? Parce que moi j'étais en train de travailler sur ce thème là en fait pour moi-même et voilà, donc en fait la peinture est sortie comme ça, donc un travail avec des personnages. Et puis aussi avec la lumière, avec la source en fait, origine de l'homme. Il y en a un ici. Vous voyez un personnage de dos là. Voilà. Donc c'est comme s'il sortait d'une gang de lumière, enfin quelque chose de totalement originel en fait. Je cherchais cette source là, quelque chose de très brut, de très puissant. Voilà. Donc j'avais fait ça. Il y a deux autres tableaux qui sont aussi au Mercure, là, en ce moment, à l'hôtel Mercure à Fontainebleau. Mmh. Donc ça, c'était cette partie origine. Et puis après, donc on est passé sur les arbres, donc c'est autre chose. Hein. Quoique, bon, on peut toujours très bien trouver dans l'arbre, l'origine. Oui, voilà, j'ai travaillé aussi sur la pomme, du coup, dans l'exposition origine. Mais elle me tenait beaucoup à cœur, cette exposition. Donc j'ai fait une pomme en sculpture et en peinture, qui est là-bas, je montrerai. Je fais de la terre. Parce que j'aime beaucoup le bronze. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça tournait autour de. Donc, c'est un trognon de pomme. Voilà, et je. Voilà, qui a perdu son pépin, parce que les pépins sont amovibles. Voilà, parce que les pépins, c'est la vie, donc. Voilà, donc j'avais fait en sorte qu'ils se retirent. Donc on avait ça, on avait. Aussi deux peintures comme ça, une petite et puis une plus grande. Et puis il y avait des personnages comme celui-ci. Là.
Donc ça, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est une très grande poêle. Il y en a deux. Donc, que vous dire, ben, il y a des, voilà, il y a des mélanges un petit peu de tout, d'expos successives. Et par exemple, cet arbre-là. Oui, ça, c'est imaginaire. En fait, je suis partie d'un olivier. Ah ouais. Parce que j'adore les oliviers. Ah ouais. C'est mes arbres préférés, parce que je trouve que le côté tortue, c'est extraordinaire. Voilà, et je suis partie de là et je suis arrivée là. Ce qui est intriguant, c'est cette zone à droite en bas, là, qui est ouverte avec cette couleur derrière. Ce rose fuchsia. Le côté un peu flamboyant. Ouais, c'est très curieux. Oui, alors après, on peut faire toutes les interprétations qu'on veut. Il est plutôt symbolique. En fin de compte, ma peinture est plutôt symbolique. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, et c'est plutôt les gens qui sont baignés dans l'histoire de l'art qui m'ont fait cette remarque. Et oui, c'est vrai, en fait, c'est donc vous êtes une symboliste. Le symbolisme m'intéresse beaucoup. Ah, vous devez aimer alors Gustave Moreau. Oui, j'aime beaucoup Redon. J'aime beaucoup Redon. Essayer de faire une synthèse, en fin de compte. En fin de compte, j'aime pas tellement le naturalisme. Pour moi-même, hein. J'admire certains journalistes. L'idée, c'est de ne pas représenter, en fait. C'est de partir d'un point qui interpelle, et puis voilà, et de là en faire quelque chose. Mais ça passe d'un sujet à un autre, en fin de compte. Hein. Donc c'est un arbre, c'est des fleurs. Les fleurs, c'est extrêmement difficile de ne pas faire des fleurs qui soient ni mièvres, ni le travail de dame du dimanche, voilà. Et voilà, donc essayer aussi de pas être là-dedans. Voilà, il y a des voies à trouver. Non, mais cet olivier est magnifique. Oui, oui, alors dans le... Les massifs rocheux. C'est l'archant, ça. Ah oui. C'est l'archant. Voilà. Là, c'est un travail dont je vous parlais. J'aime beaucoup ce travail de pastel, en fait. Sec. Oui, de pastel sec. Je trouve que pour les rochers, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'aime beaucoup le faire, en tout cas. Je trouve que la sensation est superbe. Mais techniquement, c'est costaud. Voilà, donc c'est pas l'utilisation du pastel habituel avec le pastel card et les hachures et le passage au doigt, tout ça. Ça m'intéressait pas tellement. Donc, voilà, j'ai trouvé cette façon de le travailler et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus vibrant. En fait, moi, je cherche à ce que ça vibre. C'est ça. En même temps, je vois dans presque tous vos travaux, il y a les visages, il y a les personnages qui émergent. C'est possible. Et sur le motif ou pas? Et sur le motif et à l'intérieur, mais j'aime beaucoup l'intimité, en fait. J'aime bien travailler en profondeur. Et pour être en profondeur, il faut être complètement isolé. Enfin, pour moi. Si je suis immergée, j'ai pas du tout les mêmes sensations. Et puis dans la forêt, le souci, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui peut passer. Et en fait, on ne peut pas être complètement... Et vous êtes un peu sur vos gardes aussi. Voilà. Donc du coup, si quelqu'un passe, commence à discuter, c'est pas possible. Ouais. Et alors, parce qu'on a regardé votre site, vous êtes très discrète sur votre site internet, sur votre histoire, sur votre parcours. Vous pouvez nous détendre. Alors, on peut tout supposer. Oui, il y aura un roman. Il y a au moins deux romans. Ce qui a fait que vous êtes devenue peintre et que vous venez habiter à Bourg-en-Marlotte après une vie parisienne. Alors, j'ai toujours voulu... Je faisais de la terre quand j'étais petite, je dessinais, bon voilà. C'était évident et puis Donc je me disais, moi, c'est ça que je veux faire. Enfin, je disais pas je veux être artiste, parce que quand on est enfant, on qualifie pas ça comme ça. Mais c'était ça, c'était le seul moyen d'expression qui me semblait naturel. Et puis, donc je n'ai pas fait... La vie a fait que j'ai pas pu faire ça tout de suite. Donc je me disais, mais c'est pas grave, un jour je le ferai. Donc c'est ça, je le ferai complètement, parce que je le faisais, mais juste comme ça. Et j'ai attendu mon heure, en fait. Voilà. Donc j'ai travaillé un petit peu, mais en fin de compte, je voyais pas comment... vous savez, il y a une phrase de Bobin. À un moment, il dit « On m'a présenté le menu du monde et je trouvais rien de comestible. »
C'était vraiment ça. Mmh. Donc je disais, ah bon, alors, il faut vivre comme ça, donc il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir une voiture, il faut... Moi, je me disais, ça ne va pas être possible, quoi. Ça va être quand même difficile. Donc moi, la seule chose, en fait, qui m'intéressait, c'était l'art, la création, l'art. Et puis voilà, aimer et l'art. Il n'y avait que ça, en fait. Je me disais, comment je vais faire pour... Donc, j'ai quand même travaillé dans des métiers créatifs. Après, je me suis mariée. J'ai vécu dans un univers quand même de créative, mmh. beaucoup, jusqu'à l'âge de 25 ans. Après, je me suis mariée. J'ai vécu un petit peu à Tours, un an, parce que mon mari était provincial et lui, Paris, bon, c'était un peu... Alors, on a fait un petit... Moi, j'ai fait un petit pas vers la province. Un an à Tours, au bout d'un an, c'était trop difficile, donc on est revenu à Paris. Ensuite, j'ai une fille. Et là, il m'a dit, écoute, on ne peut pas élever un enfant décemment dans la ville. Je connais un petit coin, tu vas voir, c'est très bien, dans le sud de Seine-et-Marne. Donc, voilà, donc j'ai atterri ici, on a atterri ici. Et puis je me suis dit, ben là, au moins, je vais pouvoir avoir un atelier et puis travailler véritablement. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai fait. À partir du moment où je suis arrivée ici, j'ai vraiment travaillé véritablement. Et puis, j'ai aussi, donc à 24 ans, donc, mon histoire familiale a été avec une rupture assez importante vers 30 ans. J'ai perdu mon père, ma mère, ensuite, donc ma mère ensuite. Et là, je me suis dit, voilà, maintenant, vous savez, quand on perd ses parents, c'est là qu'on devient soi-même. Mmh. Enfin, on n'est plus enfermé dans la Tout parole à fait des autres. Mmh. Et je me suis dit, voilà, et ben maintenant, je vais être moi-même. Et là, alors, là, j'ai foncé. Voilà, donc, c'était en 2003. Donc, ce que je savais par moi-même, je me plongeais dans les bouquins, bien sûr, tout ça. Et ce que je savais par moi-même, en fait, ça ne me suffisait pas. Moi, j'admirais les grands peintres. J'admirais Rembrandt, Goya, bon, bien sûr. Vous allez quand même. Vous êtes fort. Hein. Voilà, donc on se dit, évidemment, comment passer ? On ne peut pas passer derrière ces gens-là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Bon, il faut quand même être humble, hein. Donc, j'ai voulu prendre des cours, mais sérieux, puisque je n'avais pas du tout... Vous étiez autodidacte. Totalement. Donc, je suis passée par l'école des temples. Parce que là, j'avais vu qu'il y avait quand même une qualité d'enseignement. Bon, après, Philippe le Jeune, on peut aimer, pas aimer, bon. Mais il y avait une grande qualité d'enseignement, un peu comme autrefois. Ça ressemblait à des ateliers d'autrefois. Et donc, là, il y avait de l'exigence. Voilà, donc, il y avait plusieurs peintres là-dedans. Moi, j'ai travaillé surtout avec Christophe de Bucher pendant 2-3 ans, 3-4 ans. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, c'est bon. Je me suis nourrie. Je pense avoir à peu près pris ce qu'il fallait. Et puis, pour ne pas non plus devenir un clone d'atelier, hein, parce que c'est le danger. Et voilà, puis je me suis dit, bon, allez, on y va. J'ai sauté du plongeoir. Et puis, bon, après, dans le même rythme, ma vie de famille a changé. Donc, je me suis retrouvée seule ici. Avec ma fille, et donc comme ma maison était très grande, je me suis dit, ben, je vais louer la moitié de ma maison, ça va me permettre d'avoir un filet de secours, et puis je vais pouvoir peindre complètement, quoi. Voilà. Nice. Donc, mais c'était mon objectif depuis toute petite. Je voulais être dans la création, faire absolument ce pour quoi j'étais faite, quoi. Et je me suis dit, sinon, un jour, je vais regretter. Moi, je pense qu'il faut un minimum. Je n'aime pas en fait cette idée de dire tout le monde est artiste, tout le monde est médecin, tout le monde est. Je n'aime pas du tout parce que c'est pas vrai. Non. Et je pense qu'on est tous doués pour certaines choses et on a tous une place. Et moi, je sentais que ma place c'était là. Quand je suis arrivée dans l'atelier, il y avait des choses que je voyais dans les musées, dans les tableaux, dans les sculptures. Je ressentais, mes parents avaient un ami peintre et j'adorais aller voir ce monsieur. Il s'appelait Tristram, il est mort il n'y a pas très longtemps, il était à Arcueil. Et à chaque fois qu'on allait dans son atelier, alors je lui demandais si je pouvais m'approcher parce que je sentais bien que...
Et à une époque, il faisait de la peinture sur soie parce qu'il avait une famille à nourrir et il faisait aussi de la peinture sur soie. Mais c'était fabuleux. Là, il y avait une sensation d'unité. Et je savais que là, j'étais à ma place. Et quand il fallait s'en aller, c'était un arrachement, quoi. Donc, là, c'était les premières émotions, les premières sensations. Bon, le scolaire, j'avoue que je peux passer un peu à côté. C'est-à-dire que le scolaire aurait pu être intéressant si on apportait des choses. Si on voyait à quoi ça va servir. C'est ça. Alors qu'il y a des choses extraordinaires, donc on se rattrape après. Puis après, surtout, on choisit ses sujets. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré qu'on parle d'astronomie, d'ésotérisme, d'alchimie, de. Je trouve ça absolument passionnant, mais pas... Parce qu'en fin de compte, c'est l'histoire du monde aussi, c'est pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, quel est le but, le sens. Moi, c'était le sens qui m'intéressait. Donc c'est sûr que le sens... Parce qu'en fait, nous, on avait vu vos tables sur les arbres, mais en fait, vous avez, c'est beaucoup plus large, votre... Oui, c'est très large, en fait. Vous peignez pas que des arbres, vous faites des portraits, vous faites... Oui, j'ai beaucoup aimé, parce qu'on faisait du portrait dans l'atelier. Et des palettes, il y en a un peu partout. Ouais. J'en avais une très grande, il faut que je me refasse une... L'idéal, c'est une table d'un mètre cinquante, voilà, où je peux tout étaler. Voilà. Ah, ça, ça sent bon, votre atelier. Oui, ça sent l'huile, des sens de térébenthine, un peu, quoi, que je n'utilise pas trop. Parce pas que trop la térébenthine, quand même. Ça donne mal au cœur. Ça sent l'huile, surtout. Ouais, ça donne un peu mal au cœur. Oui, puis c'est mine de rien, c'est vachement nocif, la térébenthine. Oui. Et alors, vos petites courses de peinture, vous les faites tout sur... Vous avez un fournisseur attitré Non, un peu tout. Alors, il y a des huiles que je trouve formidables, hein. Bloc, j'adore. Ouais. Bloc, après Old Holland. Et après, en milieu de gamme, il y a Rembrandt. Charvin, c'est pas mal, mais ça dépend des pigments. Non, c'est Bloc que j'adore. Alors, on peut pas toujours s'acheter des petits blocs, hein. Donc, on trouve, voilà. Ou alors, après, on utilise Bloc pour les glacis, les filtres. Même là, par exemple, ce rose-là que vous voyez sur l'arbre là-bas, c'est celui-ci. Alors, voilà, c'est un Old Holland. Et il est très très chargé en pigments, il est excellent. Voilà, il est magnifique, il en faut très peu. Mais on peut rien mettre dessus, à mon avis. Parce que ça remonte. Oui. Oui. Mais bon, voilà. Alors, pour certaines couleurs comme ça, c'est bien de se faire plaisir. Et voilà, puis on teste. C'est une aventure à chaque fois. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé beaucoup, qui m'intéresse toujours beaucoup. C'est que je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je ne sais pas quelle journée sera demain. Très c'est bien. Toujours la surprise, toujours. Mais ce qui est fort dans votre travail, pour moi en tout cas, c'est votre touche. Il y a vraiment une touche, c'est ça qui donne du caractère à votre travail. Oui, c'est vrai. Et en fait, j'ai besoin de cette... Enfin, j'ai besoin. Donc, c'est une force qui est là, qu'il faut que je fasse passer, que je dois exprimer. Et en même temps, j'aime beaucoup aussi la douceur, la délicatesse, une certaine sensualité, une finesse. Alors cette espèce de ça paraît complètement contradictoire. Et en fait, moi, à l'intérieur, j'ai vraiment la sensation que je suis faite de ça. Et c'est ça que j'essaie de traduire, quoi. Enfin, j'espère que c'est ce mélange-là, en fait. Et c'est cette voie-là qui est intéressante, je trouve. Parce que quand on parle, par exemple, de peinture, les femmes qui peignent, moi, en général, je suis assez dubitative parce que on se retrouve dans... On est souvent dans le prolongement des travaux d'aiguille du 19e, vous voyez ? On est dans la fleur, dans la délicatesse. Non, mais c'est ça dans le vocabulaire. Vous comprenez ce que je veux dire. Nous, justement, on est les femmes qui ont du caractère. On est dans cette espèce de féminité et tout. Et je me dis, mais pourquoi on ne peut pas combiner et la féminité et en même temps une entièreté de personnalité, de force, de douceur, d'affirmation. Voilà. Et ça, moi, je le trouve rarement. Ou alors après, je trouve l'inverse, c'est-à-dire... des femmes revanchardes,
des trucs enragés, comme par exemple Aïrik, vous les connaissez peut-être certains. Aïrik, oui. Ah, Lydia Aïrik, oui. Vous allez voir qui travaille à Lille. Voilà, que j'aime bien, à côté de ça. Mais Lydia Aïrik, elle a pris l'excès. Elle est complètement de l'autre côté, donc elle ne donne qu'un pan. Et en fait, moi je me dis, mais on doit pouvoir combiner tout ça. C'est carrément une peinture de mec. Complètement. Voilà. On sent pas la féminité. Mais il y a aussi des mecs qui sont aussi mièvres que des peintures de féminines. Mais je veux dire, une nana, comment on s'appelle, qui disait bien la mère du trilo, là. Valadon. Par contre, Valadon, elle avait une force. Oui, la force. Quand même assez incroyable, mais en même temps. Il y avait quelque chose de féminin dans son œuvre. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressens, c'est ça. Que je me gourre. Oui, tout à fait. Et c'est ça le. Et c'est ça l'idée. Et il y a des réflexions amusantes, par exemple, une galeriste là d'Ambouron qui avait vu mon travail. Donc l'exposition précédente qui était avec donc ces personnages masculins très forts, elle me voit arriver dans la galerie et je lui dis bonjour, je suis un. Voir ce que vous exposez, tout ça, puis on discute. Et je lui dis, en ce moment, je suis chez Florence. Elle me dit, mais c'est vous qui payez ça? Je lui dis, mais oui. Donc, comme quoi, on peut. On peut être très féminine et en même temps. On peut combiner l'ensemble. Ouais. Voilà. Mais c'est quand même souvent cette réflexion. Parce que je lisais aussi encore un article là récemment. Sur la peinture, cette espèce d'idée, la peinture à travers l'histoire des femmes, la peinture des hommes, non. Il y a toujours cette histoire, c'est une peinture de femme ou c'est une peinture d'homme. Alors que c'est tout simplement de la peinture. Voilà, hein, et on doit pouvoir sortir de là et démontrer que, il y a aussi des voix beaucoup plus, qui rassemblent beaucoup plus. Donc, je trouve que c'est intéressant, en fait, d'entendre les réflexions. Mais ce qui fait plaisir, c'est que les gens sentent quand même, il y a des expressions justes, il y a des choses justes. Ça encourage à continuer toujours. Enfin, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hein. Même les jours où on est totalement... Il y a des jours où je suis totalement désespérée. Donc, je dis, bon, allez, c'est bon, on va ranger les pinceaux. Ça dure 3 jours et puis au bout du 4e, c'est reparti, quoi. Parce qu'on pense peinture tout le temps. En fait, c'est un regard permanent, hein. C'est une vision du monde, en fait, c'est ça. C'est une vision du monde. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Je sens la fièvre qui me mord, sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, dans sa vie.
l'espèce d'un mensonge. Je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage. À parler son langage, mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura. J'ai beaucoup peint ma fille à une époque au début, donc à des âges différents, petite, moyenne, grande. Et puis, au bout d'un moment, vous êtes deux, après vous êtes trois, hein, parce qu'il y a la personne, il y a vous, puis il y a le portrait qui commence à venir. Et donc il y a une espèce de combat, au bout d'un moment, qui commence à s'installer. Ah non, c'est incroyable. Et après, il y a le regardeur qui amène aussi... ça ne modifiera pas votre portrait, mais c'est quand même, ça ajoute une charge émotionnelle qu'on ne voit pas comme ça, qu'on ne mesure pas. Là. Mais voilà, elle est là. Et comme justement dans l'atelier où je travaillais, on faisait pratiquement que du portrait. Donc, dès que vous commencez que par le portrait, là, il faut s'accrocher. Hein. Puis là, on voit bien à quel point vous êtes démunis, à quel point on est devant un abîme. Hein. Moi, je me souviens avoir été terrifiée par le fait de faire du portrait. Mais quel exercice, hein. Parce que là, après, le paysage, c'est de la rigolade. Hein. Puisque toutes les difficultés sont réunies dans le portrait, plus le fait d'avoir un être humain devant vous. Donc, parce qu'il y a tout, il y a toutes les perspectives, les lumières, les reflets, plus le fait que ce soit un être vivant. Donc, donc quand on part de la côte des Basques et qu'on prend la plage là quand la mer est basse, on descend vers la Milady, je crois, le nom de la plage, et il y a un rocher qui est complètement hallucinant là. Enfin, c'est un endroit. C'est un endroit où il y a beaucoup de vent, où la mer est extrêmement puissante. En fait, moi, j'aime la densité, j'aime l'intensité, voilà. Et donc, là-bas, je suis servie. Et les espaces sont immenses, parce que, par exemple, en Bretagne, il y a aussi une certaine force, mais c'est pas du tout la même. Il y a pas cette espèce de d'immensité. Voilà, c'est ça. Il y a une immensité en plus. Comme j'aime le désert, en fait... Il y a les deux, quoi. J'ai l'espace immense et j'ai la puissance de la mer. Et donc, ces rochers, il y a un ensemble là, il appelle ça ce bouton de rose, mon pote là, comme il là. C'est deux rochers, je les ai peints d'ailleurs. C'est puissant. Ah ben là, voilà. Oui, ça, c'est une. Une encre. Une encre. Voilà, ça fait deux rochers ça. Ah ouais. Très, très grands. Combien ça peut faire de haut? Je sais pas, un immeuble de. Allez, ça fait trois étages. La hauteur du pignon, d'accord, deux étages. Oui, c'est ça. Et ils sont incroyables, quoi. C'est jamais pareil. Voilà, donc j'aime beaucoup la mer là-bas. J'aime beaucoup la mer là-bas, ouais. C'est étendu. Donc régulièrement, j'y vais. Enfin, là, je suis allée deux, trois fois de suite. Quand je suis là-bas, c'est extraordinaire. C'est à peu près la même sensation que le désert. Je suis allée dans le sud du Maroc. J'aime beaucoup les paysages déserts.
Ouais, c'est... En fait, c'est le seul lieu où on entend son âme. Vous voyez ? Voilà. C'est fabuleux. Donc voilà. Donc comme je ne peux pas aller dans le désert tout le temps, je vais au bord de la mer. Je vais à Biarritz. Voilà. Mais je retrouve ces sensations d'immensité. On se sent tout petit. Ouais, c'est superbe. J'avais fait une série sur les placards. Parce que je j'étais là et puis je regardais ça. Et je me dis, mais oui, mais ça c'est génial, il faut que je peigne ça. Il y avait la lumière. Bon. Et puis je trouvais que c'était intéressant parce que ça reliait l'idée de notre peau. On s'habille, on se déshabille. C'était le paraître, le disparaître. Mmh. Enfin, il y avait tout dedans, quoi. Je me disais, mais c'est tout un monde, ça. Donc, j'ai peint un premier tableau comme ça. Et puis après, j'ai fait une série, en fait. Après, j'en ai peint un autre. Mais ils sont en ce moment à Fontainebleau. Hein. J'en ai peint un autre, donc c'est deux étagères avec en dessous les tringles. Et puis encore un autre qui était le placard là-haut de mon placard à chaussures. Pareil, qui est dans un bordel que je trouvais très intéressant. Mmh. Et il y avait mon chat qui se planquait toujours dans ce placard. Alors à chaque fois, j'avais un sursaut parce que je ne m'attendais jamais à ce que le chat soit dedans. J'avais une chatte, petite chatte adorable. Et elle était planquée là toujours. Et un jour, je me suis dit, mais toi, un jour, je vais te peindre dans le placard. Donc, j'ai peint ce placard. Donc j'ai fait 3-4 placards. Et voilà, mais c'était... cette idée de paraître, en fait, de ne pas paraître, c'était ça qui m'avait interpellée. Du coup, sur Bouron, vous êtes une petite communauté d'artistes à rester, à vous côtoyer, à travailler ensemble, ou pas du tout On n'est pas très nombreux, en fait. On n'est pas très nombreux. Il y a Rive que vous avez vu, la peinture plutôt naturaliste. Mmh. Il y a une jeune femme qui fait un peu de gravure, qui est enseignante et qui fait un peu de gravure. Il y a Olivier qui est un illustrateur, donc lui c'est plutôt dessin. Non, on n'est pas très nombreux. Parce que nous, quand on est venu se promener là au début, on était complètement imprégné des livres de Stevenson, de la Maroufée, de tout ça. Ah oui, la 19e, donc on avait envie de revivre, sentir ça. Et en fait, quand on s'est promené dans le village la première fois, on s'est dit, mais c'est quoi être mort, quoi. Non, les gens ne sont pas conscients du passé artistique. Là, dans l'atelier de l'or qui est juste à côté de la librairie, on y donne un peu de cours, donc on essaye de le faire revivre un peu comme un atelier parce que, voilà, d'accord. Nicolas y tient, donc c'est lui qui est à la culture, donc c'est vrai que c'est bien, on essaie de faire quelque chose avec ça. Mais, oui, voilà, il y a l'atelier de l'or, mais. Et puis les artistes sont quand même assez individualistes. Hein. Oui, dès qu'on essaie de faire quelque chose, c'est vrai qu'on a du mal. Hein. On essaie quand même en même temps de faire des petites expos, mais bon. Mais je vous dis, moi je trouve qu'on n'est pas non plus très nombreux à faire. Hein. Chacun essaie de faire un peu sa carrière de son côté, sa carrière entre guillemets, son chemin quoi. Et vous faites des visites d'atelier? Oui. Ah oui, je fais des visites d'atelier. Donc vous faites aussi... je donne des cours. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Le week-end, ouais, je... Modestement, je donne ce que je sais faire. Quoi, ouais. Voilà. Alors, le week-end, j'aime bien essayer d'en installer le week-end sur une journée, parce que comme un stage, en fait. Mm-hmm. Parce que sur une journée, on a le temps de rentrer dedans, de s'imprégner, voilà, on se pose... Et les cours à l'atelier de l'or, c'est une fois par semaine, 2 heures, c'est un peu court, 2 heures. Mais en même temps, après, les gens, je me rends compte qu'ils ont du mal à payer des cours. Enfin là, ces derniers temps, ils ont du mal. Pourtant, moi, je prends 13 euros de l'heure, je pense que c'est... Non, c'est vraiment correct. C'est correct. Donc je fais ça. Quand je fais une journée, je prends 60 euros la journée, il y a 5 heures de peinture. Il faut assez de matériel ou Voilà, souvent les gens viennent avec leur matériel, d'accord, en fait. Ouais. S'ils n'ont pas de matériel, je viens avec le minimum, parce que allez, les couleurs primaires, un papier enduit de gesso, deux pinceaux, on peut déjà s'amuser dans une journée et déjà apprendre des choses. Et voilà, et là, Fontainebleau m'a demandé de donner des cours sur un trimestre, l'espace Coméra de Fontainebleau. Ça va être sympa, une expérience sympa, 3 mois.
Mais voilà, donc oui, des cours. Qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai exposé beaucoup dans les châteaux, parce que je me suis retrouvée, sans le vouloir, ça c'était rigolo, je me suis retrouvée chevalier du Tastevin au château des Clos Vougeot. Si vous pouvez connaître le château des Clos Vougeot. Oui, oui. Et j'ai beaucoup exposé, j'ai exposé une dizaine de fois dans le château du Clos Vougeot, sous le auvent là. Et pendant les chapitres, donc j'ai fait des illustrations pour les chapitres, sur les menus chapitres, pendant une dizaine de chapitres. Donc ça c'est une expérience très très marrante, sociologiquement surtout très marrante. Surtout moi je bois pas une goutte d'alcool, donc c'est pour ça qu'il me fait chevalier. Et voilà, donc de ce château-là, en fin de compte, je me suis baladée. Alors, château de Chassin-Mouraschet, château de... Donc, j'ai fait plein d'expos dans des endroits comme ça, très jolis. Donc, ça, c'était sympa. Je suis allée un peu à la frontière suisse, dans un hôtel aussi, près de dans le Jura. Bon, voilà, je me suis pas mal baladée dans le centre. Je suis allée à Paris, place des Vosges à un moment donné, mais là c'est plus le côté, vous voyez, art shopping. C'est pas terrible, ce qui reste place des Vosges là. Pas terrible. Alors à l'époque, c'était une. Mais elle a fermé. C'est une galeriste qui était liée avec l'école des Tentes. Donc c'était une femme qui connaissait quand même bien la peinture. Et si j'avais rencontré un type très marrant, un marchand. Et ça m'avait fait plaisir parce que c'était un type qui connaissait vraiment bien la peinture. Ouais. Et donc c'est l'époque où j'étais en Bourgogne, là, il a une galerie à Dijon, une grande galerie à Dijon. Et en fait, ce monsieur, il avait bossé, il avait fait de la gravure jeune, il avait bossé avec, il avait connu Picasso et comment il s'appelait, Buffet. Ah. Voilà. Et ça, c'était des copains de jeunesse, quoi. Il avait 18-20 ans, donc c'était vraiment tout au début. Et voilà, donc il m'avait raconté un peu toute cette période. Donc lui, il a monté deux galeries, il en avait une à Megève et une à Dijon. Voilà, donc c'était sympa. Il avait pris un peu de toile. J'étais contente, j'avais Ziem, Buffet, et puis une petite toile de moi qui était. Je dis, je veux prendre une photo pour le souvenir. Là, on avait une belle conversation de peinture. Alors, j'écoutais son parcours, parce qu'il avait un parcours intéressant, ce monsieur. Bon, puis après, il avait fait beaucoup d'argent aussi, parce qu'il était tombé dans la grande époque de la peinture, forcément. Il doit avoir, je pense qu'il ne doit pas avoir moins de 80, 85 ans. Donc, il a connu l'époque où on vendait de la peinture comme ça. Mais les années 60-70, c'était tout le monde achetait de la peinture, quoi. Donc voilà, ça c'était une rencontre sympa. Oui, parce que j'étais très attachée au. Pour Espoir sans frontières, qui est une ONG, mais alors une vraie ONG, hein, pas une ONG. Pas une ONG administrative. Voilà, exactement. Qui a toujours refusé d'ailleurs d'avoir des bureaux à l'UNESCO, bien qu'on lui ait proposé de nombreuses fois. Et parce qu'un jour, je me disais, mais il faudrait quand même que ça serve. Je voulais être utile, quoi. Voilà. Et donc, j'avais une expérience de l'enfance un peu riche, on va dire. Et donc, je me suis adressée à cette association qui s'appelait Espoir sans frontières et qui s'occupait de tous les enfants des rues, les enfants abandonnés à travers le monde. C'est un couple qui avait beaucoup travaillé en Afrique, en Amérique latine aussi. Une vie, enfin, des globe-trotteurs, enfin, un couple extraordinaire. Et un jour, je lui ai dit, écoutez, voilà, je pense que on peut peut-être collaborer. Je pense que mon expérience peut vous intéresser. Et donc, j'ai rencontré cette femme formidable. Et donc, j'ai fait une toile. Elle me dit, écoutez, est-ce que vous voulez faire notre prochaine affiche pour l'UNESCO? Parce qu'en fait, on travaille en lien avec eux. Et une fois par an, elle dit, moi je suis violoniste, et une fois par an, on fait un grand concert avec que des artistes qui viennent jouer gratuitement, donc bah, des grandes pièces. Et donc, une fois par an, à l'UNESCO, on fait ce grand concert. Faites-moi l'affiche. Donc voilà, donc j'ai fait une affiche avec une petite fille de dos, avec un ours en peluche à la main, et
qui va vers une lumière très très forte. Et donc j'avais fait ça, et cette affiche donc s'est retrouvée partout. Enfin, on a diffusé cet enfant là avec son ours à la main. Et la toile était le soir du concert sur l'estrade de l'UNESCO. Donc là, je me suis dit, c'est formidable, parce que le sens, elle, tout d'un coup, elle prenait tout son sens, quoi. Là, c'était un beau cadeau. Mmh. Donc ça, c'était une très belle période. Et après, on a organisé une exposition ici avec un peintre qui s'appelait Idrissa Diarra, qui était un peintre africain, qui peignait dans les rues, et qui aidait les enfants, en fait, qui a donné beaucoup d'humanité, de chaleur, de tendresse avec la peinture auprès des enfants. Et on avait fait... il est mort quelques mois. On était en train de faire l'exposition, et ce type-là est mort à ce moment-là, ce qui était quand même incroyable. Et voilà, donc c'était un échange, en fait. Et quand donc Annie Vallée m'a dit, écoutez, faites-moi l'affiche, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut pour l'affiche. Donc je lui dis, écoutez, cette version, elle existe déjà, mais ça sera jamais la même, puisqu'on peut jamais refaire de fois le même tableau. Donc je lui ai refait, et quand elle a fait l'exposition ici, donc on avait mis la toile en vente, et elle voulait organiser des enchères, une vraie vente aux enchères. Oui, c'est ça que j'imaginais, voilà. Justement. Ouais. Alors on voulait monter une vraie vente aux enchères, et cette femme était assez malade, donc ça c'est pas fait. J'ai gardé la toile un petit moment. Et quand elle a fait l'exposition ici à Bourg-en-Bresse pour Idrissa Diarra, elle m'a dit, mais Isabelle, je veux que tu exposes aussi une partie de tes œuvres. Puisque bon, c'est l'enfance, et tu as plein de portraits d'enfants. À l'époque, j'en avais pas mal. Donc j'ai exposé cet enfant, donc cette version de l'affiche. Et les gens du village ici, des collectionneurs et des gens qui me connaissent, m'ont fait la surprise d'acheter la toile. Ils se sont réunis, ils ont acheté la toile pour que la toile soit dans la mairie, là. Voilà. Donc la toile est dans le musée, et donc il faut qu'on installe ça. On a dit qu'on allait mettre une petite plaque avec tous les noms des donateurs, et elle va rester comme ça dans les collections du musée. Je trouve que l'histoire est adorable. Alors cette mairie-musée, elle est quand même bien remplie déjà, parce qu'on l'avait visitée il y a quelques années. C'est ça, elle est bien remplie. Mais là, le groupe de collectionneurs, là, ils sont extra. Ah ouais, et ils achètent beaucoup plus dans les environs, ils essayent de soutenir. Ils soutiennent surtout les gens du village, surtout les peintres du village. Bon, ils achètent d'autres choses aussi, mais moi, je dois dire que je suis très chouchoutée. C'est important, parce que c'est un métier où on est tout seul. Bien sûr. Oui, puis c'est une reconnaissance de votre trajet, enfin de votre vie, de votre parcours. Parce que je suis arrivée là, j'ai commencé très sérieusement ici, et c'est vraiment les soutiens de la première heure. Donc après, ça a grossi, mais ils sont toujours là, et non, c'est super, c'est ce que je leur dis toujours. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont cette chance, je crois. Et c'est Francine Le Carpentier, la première, qui était à l'époque donc à la culture, qui est la maman de Florence, qui est à la librairie. Mmh. Ouais. Également la maman de Nicolas, qui est nue. Et c'est une vraie mafia. Mafia de la culture du village. Non, mais c'est bien, parce que... C'est pour faire des expos comme il y a à l'espace Jean-Renoir, ou une librairie, bravo. Pour vous soutenir. Ouais. C'est formidable. et Francine, c'est la première, elle a vu mon travail. Vous faites des visites, elle travaillait pour le château de... Elle est conférencière, non? Oui, voilà. Conférencière pour le château, très bien. Volvicomte. Volvicomte. Voilà, donc une dame qui connaît l'art et la peinture. Et donc c'est la première qui a fait tilt et qui a commencé à m'acheter des tableaux. Ça m'a fait connaître à son entourage. C'est extraordinaire. Et puis il y a plein de belles surprises, en fait. Parce que l'association via ses enfants pour l'UNESCO, c'est très touchant. Vous en faites toujours partie? Oui, je fais toujours partie de l'association. Si un jour ça... il y a besoin de quelque chose. Et on devait faire un livre d'entretien, en fait. Non, en fait, moi, je suis née à la DAS.
Et j'ai fait tout un travail sur les origines. Donc, j'ai été adoptée dans une famille ici en France à 3 ans. Et donc, évidemment, je connais parfaitement le sujet. L'adoption, les enfants, comme ça. Et tout le parcours, tout grandir avec ça, le questionnement, le positionnement, bon, c'est passionnant. Et donc, cette femme avait adopté aussi 5 enfants. Alors, elle avait adopté 5 et on avait 3 à elle. Et évidemment, dans la conversation, on a pu échanger et on a surtout pu échanger sans, sans tabou. Vous voyez, il y a toujours un grand tabou autour de ça. La grande famille qui a du cœur, qui tend la main à pauvre petite abandonnée. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien souvent, c'est aussi des parents qui sont pas forcément bien dans leur basket. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que l'enfant sera bien? Enfin bon, c'est extraordinaire comme sujet. Donc évidemment, avec cette femme, on a énormément échangé là-dessus. Et on devait faire un livre. Parce qu'elle a un talent d'écriture. Et elle m'a dit, tu vois, moi, avant de mourir, ce que je voudrais, c'est faire un livre d'entretien. Et elle me dit, est-ce que tu pourrais témoigner? Comme ça, tu me, de toute ton expérience, et moi, je pose des questions. Donc, on avait ce travail-là qui n'a pas encore été fait. J'espère qu'il se fera. Et puis, il y avait aussi un monsieur là, qui travaillait, mais ça ne s'est pas fait, qui travaillait auprès des enfants d'Auteuil. Et lui, il m'avait demandé de témoigner auprès d'enfants et de jeunes femmes qui avaient abandonné leurs enfants. Bon, il y a déjà une quinzaine d'années de ça. Pour expliquer la résilience, en fait. Comment on fait pour... Comment on fait pour... Pour vivre avec, pour s'en sortir, pour réussir à être soi-même. Voilà, donc quand je disais qu'en fin de compte, à un moment donné, j'ai dit, mais moi, un jour, je serai moi. Donc j'ai attendu, en fin de compte, que ma mère disparaisse, ma mère adoptive disparaisse, pour pouvoir... pour pouvoir dire, maintenant... Voilà. Et donc, si vous voulez, le truc qui est totalement ce qui est faux, c'est-à-dire qu'on arrive à Bourg-Marlotte, on voit une belle maison bourgeoise, on se dit bon, ben voilà, une bourgeoise qui fait de la peinture, qui a dû avoir l'éducation nécessaire, qui est installée et qui peint, alors que c'est absolument pas ça. Donc après, moi, j'ai toute une épopée, on va dire. Et à un certain moment, donc, je me suis dit, il faut quand même que je cherche un peu plus dans les détails. Et donc en cherchant, donc j'ai donc trouvé que ma mère naturelle était berbère, d'où ce grand amour pour les grands espaces, le sec, le sable, les odeurs, tout ça. Et d'où cette exposition aussi sur les origines à un moment donné devait venir à un certain moment. Voilà. Donc il y a tout un travail, donc il y a eu cette idée de cette association. Je me disais, je vais pouvoir participer pour rendre. Moi, je voulais rendre en fait ce que la vie m'avait donné. Parce que Au départ, elle vous a donné beaucoup de choses. Non, elle m'a pas donné beaucoup, mais non. Mais si vous voulez, j'ai quand même eu la chance de tomber dans une famille qui m'a laissé des moyens, un petit peu de moyens. Et donc, quand ma mère a disparu, je me suis retrouvée avec un peu de moyens, un peu d'argent. Alors bien sûr, j'étais dévastée, parce que c'est une double perte. Pour tous les êtres humains, perdre sa mère, c'est abyssal. Vous avez l'impression que vous allez partir avec. Mais quand en plus il y a cette problématique-là, c'est particulier. Oui, voilà. Donc, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce qu'en fait, c'est leurs économies, c'est tout leur travail, c'est le travail aussi de mes grands-parents, c'est plusieurs générations. Et donc, du coup, j'ai quitté Paris parce que je voulais plus non plus. C'était trop douloureux de repartir sur les souvenirs, les quartiers, même si j'adore Paris, je suis une Parisienne au fond, mais. Donc j'ai dit, allez, on va rebondir. Et c'est là que mon mari m'a dit, mais écoute, on va partir. Moi, Paris, j'en ai marre. Donc, on va s'installer.
Donc l'installation était un peu spéciale, parce que ça fait un gros changement quand même. Mais donc je me suis dit, voilà, je vais mettre ça à profit, je vais acheter une maison. C'est très symbolique d'acheter une maison en plus. Ben oui, parce qu'en fin de compte, j'ai besoin d'un cocon, parce que c'est le vide absolu. Un cocon ou une coquille? Voilà, quelque chose de protecteur. Hein. Il faut bien s'appuyer quand même sur quelque chose. Donc voilà, donc une maison. Et puis bon, donc après, ben, donc, après la séparation, je me suis dit, bon, je vais faire ça. Je vais en louer un morceau, puisqu'il faut quand même des revenus. Je vais en louer un morceau, et puis je vais être peintre, parce que je suis peintre, donc je ne peux pas faire autrement. Et tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne peux pas faire ça, mais... Je dis, si, ça va marcher. Pareil, c'est ce que je dis toujours à Nicolas, qui fait ses belles expos, et qui est fan du 19e, et tout ça et tout. Je dis, oui, c'est super de parler des morts, mais il faut absolument parler de la continuité. Voilà. Parler qu'il y a des vivants. On est vivants, donc occupez-vous des artistes vivants, parce qu'évidemment, quand on sera mort, oui, mais enfin, on s'en fout d'être mort. Et puis, on peut parler de peinture et de parler aussi de l'admiration qu'on a des anciens. On fait le pont, en fait. Mais on a toujours l'impression que c'est complètement séparé. Alors, je pense qu'il faut véritablement peindre avec ses tripes. Il faut dire ce qu'on a à dire. Enfin, si on a quelque chose à dire, un temps soit peu. Donc, comme je pense que j'ai quelque chose quand même à dire, je me dis, bon, je vais développer. Voilà. Ouvrir et puis développer, se déployer en fait. Jusqu'au bout. Vous avez encore pas mal d'années devant vous. Oui, oui, oui. Oui. Puis bon, j'ai commencé tard en fin de compte. Hein, parce que j'ai commencé en 2004, sérieusement. Donc c'est très peu. Voilà, donc ça fait quoi, 14 ans de peinture, c'est rien en fait. Je fais pas ça pour émerger, vous voyez, c'est ça. Je fais avant tout ça parce que je pense que c'est ce que je dois faire. Mais c'est sûr que si ça parle au plus grand nombre, en fait, c'est ça. Si ça parle au plus grand nombre. Et puis derrière, il y a quand même il y a une petite utilité. Parce que quand vous voyez dans le regard des gens que ça parle, et voilà, quand les gens sont face à un tableau et qu'ils sont muets, en fait, hein, puisque c'est ça. Là, c'est formidable. Vous voyez, le regard est juste. Je me suis dit, bon, là, c'est gagné. Je suis au bon endroit. On a touché. On a touché juste au bon endroit. En fait, on peint pour ça, quoi, juste pour rentrer dans cette communication. Oui, c'est ça, la peinture, c'est le prolongement d'une personnalité, c'est juste un mode d'expression total. Et puis c'est vraiment une vision, c'est-à-dire, c'est une vision qu'on a déjà quand on est enfant. En fait, je crois qu'on ne devient pas artiste. On l'est. C'est ça, moi je me suis rendu compte de ça après. Alors je me disais, mais tu peux pas dire ça, t'es pas légitime pour dire ça. Normalement, moi je me disais ça, tu n'es pas légitime. Puis après je me suis dit, mais non, on ne le devient pas, puisque c'est un regard qu'on porte sur le monde, pour tout en fin de compte. Et à un moment donné, ma mère m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que... Alors j'ai dit, oui, mais tu comprends, j'ai dit, mais ça ne peut pas être possible, on ne peut pas vivre comme ça. Donc moi j'aimerais alors peut-être travailler un petit peu, mais à côté, alors j'essaie de trouver, mais je devais avoir 13-14 ans à ce moment-là. Puis après je me suis dit, non, c'est ça... C'est pas possible, il faut que je trouve un biais, il faut que je trouve un moyen, il faut que... Bon, mais j'y arriverai, je me disais, j'y arriverai. Et puis j'avais très peur de... Quand ma mère est morte, enfin, elle était très malade, et je me souviens qu'un jour, elle m'a dit, si j'avais su... Et je la voyais me dire, mais si j'avais su, j'en aurais profité plutôt. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Et ça m'avait énormément frappé. Je me disais, si j'avais... Et je me dis ça, jamais je dirais si j'avais su. Mais là où par contre on doit absolument avancer, et ça je l'ai vraiment constaté à plusieurs reprises dans le métier de la peinture aussi, peut-être même encore plus, parce que là les égos sont super puissants. Faire son chemin en tant que femme artiste en dehors de l'utilisation de ses charmes, il faut se lever de bonheur.
voilà, à égalité, c'est extrêmement compliqué. Et nous, on aime bien aussi, on aime beaucoup aussi parler des femmes d'artistes, alors elles qui ont soutenu leur mari toute une carrière, qui sont passées inaperçues, et des femmes d'artistes qui étaient artistes et qui, elles, sont restées toujours au sommet. On en parle souvent parce qu'on a une admiration profonde pour ces femmes qui, en fait, ont quand même tenu à bout de bras. Surtout quand elles étaient artistes, elles ont dû s'effacer, arrêter de faire leur métier pour que leur maître puisse briller. Tout à fait. Et quand on fréquente soi-même des artistes, moi j'en ai fréquenté, on se rend tout à fait compte qu'à un moment donné, il va falloir soit s'effacer, soit... se tirer. Voilà. Voilà, il n'y a pas le choix. Et on voit bien que sur le terrain, les artistes hommes vous laissent difficilement de l'air. Surtout si vous avez un tantinet de chance d'évoluer ou de développer quelque chose. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station Belière, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, Gisèle, pour un peu j'ai trempé. Histoire d'eau, la nuit je manque. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je monte, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je monte, et effrontement. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
changement, je prends les trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore. La nuit, je mens, interprétée par Bachung. Et vous êtes toujours sur Radio Soupan, qui va se faire seppuku dans quelques minutes. La station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arakaï, qui était consacrée aujourd'hui à Anne-Isabelle Roubaille. Voilà, alors les expositions, rapidement, on peut rappeler l'exposition d'Aurignac au musée de Montmartre jusqu'au 8 septembre. Pour découvrir tout ce fusiliste hors pair qui a su faire des fusains, des sanguines, des ouvriers au travail, des portraits de femmes. Vraiment une très belle exposition dans ce petit musée de Montmartre. On peut rappeler Peindre dans la Creuse à l'atelier Grognard, c'est jusqu'au 26 mai, là il faut se dépêcher. Là c'est pour voir du paysage, encore du paysage, des cours d'eau, des moulins, des fontaines. Sarveil-Malmaison. Et le Cavalier Bleu à l'Orangerie des Tuileries, c'est Franz Marc et Auguste Macke. L'aventure du Cavalier Bleu, c'est jusqu'au 17 juin 2019. Et vous êtes, je vous le répète une fois de plus, sur Radio Soupente, qui est la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet arakaï.fr. Et on passe directos aux remerciements. Claude et André, Karine, Marie-Christine Béguet et Christiane. Je poursuis Claude et William, Jean-Paul Souvras, Claudine, Annick, Jean Peduzzi, Duval d'Oise, Corinne et Joël Ducaire. Non, Corinne et Joël, qui est notre Arlésienne du Caire, Sabine et Anne-Emmanuel, Frédéric, Juliette Planck, Clément, Agnès Dubard, Frédé, Geneviève, Thierry Morciot, Colette, Jacqueline Imbert, Liliane et Laurence, Michel Peluche, Péloil, Marie-Christine Perrondet et Christophe, Marie-France, la Rousse flamboyante, Aude et José Arthur du Mélange, et pour finir, Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Voilà, merci de votre écoute, à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Du soleil, rien que du soleil, je veux du soleil.
Yeah.